On a un peu de nourriture, un petit peu d'eau. On va retourner au niveau de l'aurore. J'ai besoin d'un autre stockage. Alors, il va falloir faire du tri par contre dans le stockage. Là, il y en a un peu partout, c'est n'importe quoi. 3 bouteilles d'eau, 3 trucs à manger, un kit de soins. On est pas mal, non? En route, c'est parti! Allons-y gaiement! Et ça, c'est beau parce que sa batterie est à 100%. Il a rechargé! Parfait! Alors, l'Aurora, il est où déjà? Ah, mais non! Mais je me crache dans ma base en plus! Ça commence bien quand je tape ma propre base. Et j'ai tapé un poisson, ça m'a fait perdre 10% de durabilité. Non mais c'est pas un peu exagéré là? Ah, j'aime pas quand il fait nuit, on voit rien. J'aime pas quand on voit rien comme ça, on sait pas où voir. C'est stressant, non, de pas voir. Tire à l'aveugle comme ça, c'est pas trop mon truc, moi. Ok, ça nous fera 2 kits de soins, c'est très bien. J'ai pas pris d'extincteur. J'ai pas pensé à prendre un extincteur. Merde. Bah, j'espère qu'il n'y en aura pas besoin. Dans une de ces caisses, il n'y aurait pas un extincteur ? Bon, c'est quand même bien, on va pas cracher sur les kits de soins. Mais... j'aurai besoin d'un extincteur. Quelque chose là-dedans? Ouais, il y a quelque chose là-dedans. Ah, mais c'est le canon en propulsion, je l'ai! J'ai besoin des plans du canon à propulsion. Alors, excusez-moi, c'est par où qu'on rentre, c'est par là. Vous voyez qu'il peut me tomber dessus, l'Aurora. Alors, on va peut-être déposer par contre deux titanes que j'ai eues. Le casque anti-radiation, en vrai, je crois que j'en ai plus besoin. Canon à propulsion. On va l'équiper.
Ça, c'est bien pour les bestioles. Et ben voilà, ils vont arrêter de m'embêter, ces crabes. Non, mais dites donc. Il y a un moment, faut arrêter de m'embêter. Ouais, par contre, ils sont vachement trop nombreux. On va courir. On se fait un petit sprint. Excusez-moi, je sprint. Je vous embête pas, je vous assure. C'est là, c'est là. Tiens-toi ! Bim ! Éclaté contre le mur. Ouais, je sais, c'est violent. Je peux déplacer les caisses aussi avec. Je peux déplacer plein de trucs avec ça. Genre, est-ce qu'on pourrait pas déplacer le bordel qu'il y a là? Et ben voilà, comme ça c'est vachement mieux pour passer. On n'y voit toujours rien. Ok, du coup on va reprendre un petit peu l'exploration là où on s'était arrêté la dernière fois. Si on avait bientôt ramassé, on a tout exploré. On a rien oublié. Hein. J'en ai pas l'impression. Oula! Quand on perd de la vie bêtement, on se casse en la gueule. Quoi, y'a pas de chemin, hein? Faut rater un truc, j'ai l'impression que j'ai entendu. En fait, j'ai peut-être raté un chemin là sous l'eau, mais a priori, non! Alors, je ne sais plus par où on était allé, par où il fallait aller. Integrating new PDA data. Bah, ça m'a l'air d'être par là, en fait, qu'il faut aller. Integrating new PDA data. Ouais, on les lira plus tard, les PDA. Hein. On va pas les lire. Là maintenant tout de suite. Il y a du feu mais il nous faut un outil de réparation. De réparation feu. Réparons la porte. Je pas avoir un extincteur. Oh, une batterie de capacité. J'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup de feu. J'ai pas pris d'extincteur. Attends, d'abord, on va regarder ici. C'est bon, on peut esquiver le feu. Alors, je crois que je viens d'avoir un module de stockage. Voilà. Alors que j'en ai fait un. Merci le jeu. Je me fais encore troller par le jeu. Ça fait deux fois. Stop. Ah, on est le schéma complet pour la combinaison. Bah, je crois. Là ou on l'a pas? Je crois qu'on l'a, on peut le faire. Ah non, 2 sur 4. Non, on l'a pas encore. 2 sur 4.
Je brûle un peu les étapes, je crois. Est-ce que c'est utile que je monte ici ou... Quartier des résidents. Ok, donc ça me paraît être par là la suite. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas voir d'abord ce qu'il y a dans l'eau? On n'est pas allé dans l'eau. Il y a de l'électricité. C'est pas bon. Ah, bah voilà, un extincteur. Bah voilà. Quoi, le jeu peut faire autre chose que me troller. Il peut m'aider aussi un peu des fois. Bah, je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Non, par un extincteur, j'ai l'impression qu'il y a... Oh, attendez. Est-ce que je peux la scanner d'ici, la combi? Ouais, je peux la scanner, la combi. Est-ce qu'il nous fait 3? Bah, je pense qu'on va pouvoir aller du côté du quartier des résidents. Je pense qu'on est bon. Ils sont une faible signature de boîte noire située à l'autre, dans de l'autre côté de la brèche de la coque de cette salle. Attendez. Ils sont une faible signature de boîte noire située de l'autre côté de la brèche dans la coque. Cette salle. Attends, on dirait qu'il y a une brèche dans une dans la coque là ici. Est-ce que tu essayes de me dire quelque chose ici? Une lampe. Ah bah ouais, je suis où là? Effectivement, je brûle dans cette histoire. Je commence à avoir soif aussi. Hein. On va prendre un petit peu de temps pour boire un coup. New PDA data. Merde. C'est le réparateur. Miaou. Découpeur, moi, dont j'ai besoin. Miaou, miaou. Donc, on a récupéré les données de la boîte noire. On va avoir plein de choses à lire. En fait, c'était peut-être par là la suite et le quartier des... Oh, oh non, il y a un code. Oh non, il y a l'électricité partout et il y a un code. On, finalement, on va aller dans le quartier des résidents en premier. J'ai l'impression que la suite c'est par là, donc on va peut-être pouvoir aller au quartier des résidents d'abord. Ou juste... Je veux dire, il faudra juste qu'on retrouve le chemin. C'est peu probable que je le retrouve. Mais bon, on essaiera tant bien que mal de le retrouver. Allons, allons au quartier des résidents. Toute cette histoire est compliquée. Ok, quartier des résidents.
fort heureusement, on nous a donné un extincteur, ce qui est extrêmement gentil de la part du jeu. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu tout qui flambe ici. Ah, moi aussi je flambe. Éteint. Alors on a encore un pad. Oh! Integrating new PDA data. C'est un poster de petit chat. Encore un extincteur. Merci, c'est gentil, je sais que d'en avoir besoin. J'ai un truc à scanner là. C'est quoi que je scanne? Je scanne. Étagère murale. Oh bah je prends. Oh mais non, mais j'avais tout éteint. Je vous assure, j'avais éteint. What are you? Qui es-tu? Bah toi, qui es-tu? Qu'est-ce qui est? D'accord. Tout va bien. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Y a pas de quoi paniquer. Ça vous arrive souvent à vous aussi de voir des gens comme ça? Enfin, c'est même pas des gens, je crois que c'était un alien plutôt. Non, mais tout va bien. Aucun problème. On a trouvé la réserve de nourriture et de flotte. Un chat. Ouais, ouais, c'est ça. Qui es-tu? Je suis un chat. Et toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu donc, toi? Bah, heureusement qu'ils nous donnent des extincteurs. Par contre, c'est bien, on a plein de trucs à scanner. C'est que de la déco, mais Sophie, danger public. En quoi je suis un danger public? J'ai rien fait. Blueprint acquired. Integrating new PDA data. Mais j'ai rien fait, moi. En quoi je suis un danger public? Ok, je crois qu'on a bien tout exploré. On va faire la cabine 4 qui est en face. Oh, c'est la photo d'une dame. Integrating new PDA data. Un poster. Les posters, c'est bien, c'est important. Je peux pas prendre la photo ou le miroir. C'est dommage. Il est foutu, il est vide. Ah bah c'est compliqué à éteindre ce feu. Ah mais c'est stockage les valises. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Quoi, un poster? Eh, je prends un, ça fera de la déco à la maison. Une pile. Ah, mais je l'aurais bien prise, moi, la valise. Je peux pas la mettre dans l'autre valise? Non. Ça m'étonne. Hein? À la limite, ce qu'on peut faire, c'est lui, on peut le jeter. L'extincteur vide. On en a plus besoin. Il est vide. Il n'y a plus rien ici. Celle-là de cabine, je l'ai faite. Hein. J'ai bien tout fait. On n'a rien oublié.
Oh non, il faut encore un code. Pour la cabine 1. Poster. De l'eau. L'inventaire plein. À quartier du capitaine, il faut un autre code. Ok, il me faut des codes. Ça doit être noté dans les PDA qu'on a récupérés. Données géologiques. Non. Code et indice. Tu es en train de me dire que tu es sur ce rafio depuis plus d'un an et que tu n'as jamais mis le nez dehors. Et ben maintenant, sache que tu es pote avec un type qui a les clés d'une putain de combinaison robot géante. Ok. On n'a rien à faire tant qu'on... On n'a rien à faire tant qu'on n'arrive pas dans le système pour travailler sur le portail. Si tu veux goûter aux étoiles, tu n'as qu'à me faire signe ma combi pawn de rechange à ton nom écrite dessus. Tu ne peux pas savoir ce que c'est d'avoir la vraie puissance tant que tu n'as pas écrabouillé un astéroïde à main nue et fortement robotisé. Tu veux jouer à attrape de météorites, viens dans ma cabine numéro 1, le code est 1869. Integrating new PDA data. Les doubles ordinaires. C'est canon. New blueprint acquired. Attendez, il y a quoi là-dedans? Un kit de soins encore. Les kits de soins, ça fait beaucoup de kits de soins. New blueprint acquired. Jouer Georges. Oh non, je veux ça. Faut que je récupère. Bah écoutez, on va revoir un coup. Ah, c'est une peluche. Ah, c'est une peluche, c'est trop mignon. Ah non. De soi. J'ai plus de place, c'est terrible. Par contre, la cabine du capitaine, j'ai pas le code. Un document public. Alors, toutes les bonnes choses dans la vie sont des produits de base. Nous échangeons l'amour tout comme nous achetons et vendons des actions. Nous nous engageons dans des relations humaines lorsqu'il existe un juste échange de valeurs. Soutien, motivation, affection, rien de bon n'est jamais gratuit. Si tous les biens physiques de la Fédération provenaient d'un seul fournisseur, ils constitueraient un monopole dangereux. Les relations personnelles vont de même. Il est important pour les gens d'obtenir ce dont ils ont besoin à partir de sources multiples. Si une personne trouve une meilleure solution de produit dont elle a besoin, elle ne traite pas son fournisseur d'origine en modifiant ses politiques d'achat. Si un membre d'une relation se sent menacé ou jaloux, il doit se pencher sur sa propre business. Ok, on s'en fout un peu de tout ça. Menu du jour. C'est pareil, ça, on s'en fout. Malheureusement, un accident récent dans la baie de Carcassonne 3 implique l'utilisation incorrecte d'un canon à propulsion combiné d'un chargeur de puits modifié a provoqué l'aspiration dans l'espace de tous les desserts déshydratés. Ok, mais j'ai pas le code de...
Écoute. Je sais que je ne suis pas en droit de te faire de telles demandes, mais je veux que tu comprennes que je souhaite changer nos arrangements. J'entends bien ce que tu dis et je vais essayer de le respecter. Comment pourrais-tu t'y prendre? Je voudrais réduire nos heures de contrat. À quel point? Jusqu'à zéro. Me largue? Je change les termes de notre relation. Est-ce encore une relation si tu ne vois plus? Si tu ne vois plus? D'une certaine manière, tu es tellement exigeant. J'ai surtout l'impression que tu veux passer plus de temps avec cet abruti de sale, de sa bête combinaison. Okay. Mais j'ai pas de code non plus. Pas de code. Y'a pas de code, y'a pas de code. J'ai pas le code de la cabine du capitaine. Théorie avancée, ça je pense qu'il va falloir le regarder. Les schémas, on s'en fout. Forme de vie indigène, on s'en fout. Ça peut être utile, survivant. Ah oui, ça c'est la capsule numéro 12. 0000, j'ai un peu des doutes hein, sur le fait que ça fonctionne, mais si ça fonctionne là... Non, ça c'est un 8 que j'ai mis, c'est pas un 0. Il y a même pas le 0 en fait, donc non, ça peut pas être 0000. Par contre, ça peut être un 2-3. Ça serait lol. Non, c'est pas un 2-3-4. Ouais, faudra peut-être que je revienne, hein. C'est peut-être plus tard que je trouvais le code. À moins que dans la boîte noire... Parce que ça, c'est un, ça faut quand même le lire, c'est un indice pour les survivants de l'Aurora. Il nous reste quoi? Le journal de la capsule 14. Ok. Données géographiques, on s'en fout. Ça, c'est pas dans les codes et indices. Artefacts. Données scannées, ça, c'est pour les aliens. Journaux des opérations. Données de la boîte noire, ça c'est intéressant par contre. Ah, là il y a un code. Ah oui, mais j'en ai besoin, j'ai besoin d'autres codes aussi. Alors, depuis début de l'appui gravitationnel aux alentours de la planète 4546B. Donc ça c'est la planète, c'est pas un code. L'impulsion énergétique à haute vélocité envoyée depuis la surface de la planète. Signal de trait... Ah bah en fait... Ah, mais en fait, ce qui nous a fait crasher, c'est la même chose que ce qui a pété le vaisseau de secours. Signal de détresse transmis à la bouée d'écoute Altera via un relais de communication longue portée. Impact détecté, B des capsules de survie tribord. Compromise, communication sortant. Compromise, démarrage de l'évacuation d'urgence. Pilotage manuel transféré au capitaine. Capsule de survie 0125 lancée avec succès, entrée dans l'atmosphère planétaire, impact massif, blindage du noyau principal compromis, signaux d'urgence en provenant de capsule 8 de la surface de la planète, signe de vie humain, distance détectée à T plus 8h01. On est les seuls survivants! Signe de vie humain longue distance détecté à T plus 8 heures. T plus 8 heures, ça doit être le crash à 8 heures. Je go. Ok, Anours, à plus. Des bisous à toi. Bonne fin de journée. Personnel non comptabilisé, chef de maintenance. Des systèmes non essentiels. Rayleigh Robinson. Réponse Altera reçue à T plus 8. Par transmission emportée, capitaine. Échec. De l'équipement de survie à T plus 13. Ok, j'ai pas de code là-dedans. Joueur 2, joueur 2. Ok, on s'en fout un peu de tout ça. Il n'y a pas de code non plus. J'ai pas de code. Bon, bah écoutez, on va reprendre...
On va repartir de l'autre côté ? Si j'arrive à y retourner. Ça embête de pas avoir le code de... à tous les coups. On va le trouver plus tard et il va falloir qu'on revienne. C'est sûr, ils vont nous faire un truc comme ça. En fait, c'est un labyrinthe là-dedans, c'est chiant. C'est par là ? Ça devrait être par là. Moi, c'est... C'est là. Ah oui, et là aussi, il me faut un code, par contre. Je peux pas respirer ici. Tous les coups. Là. Alors, attendez, on va revenir à la surface. Surface, surface. Ok, il est où le... Ouah, ça tremble. Il est où le pad que je viens d'avoir? Quoi des indices? Accès au laboratoire. 64-83. Excusez-moi, je dis ça. 64-83, le code... Alors... 60. Oh, c'est chaud donc, quand ça bouge quand on nage. Merde. Mais non, j'arrive pas à cliquer dessus. Ça bouge trop. 60. 4. Non, pas 7. 64. J'ai dit combien? 83. 81. Trois, clique dessus. Non mais c'est compliqué, en plus c'est stressant, on est sous l'eau, on va se noyer et tout. Bon, ça va, en termes d'oxygène, on est encore bien. Analyseur d'échantillons. Ah mais non, mais j'ai encore des trucs à ramasser, j'ai plus de place. Integrating new PDA data. Data bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Elle a été resynchronisée. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Problème avec mon pad? Je vais pas rater les trucs. On va retourner un peu en arrière. Mais non! La porte, je veux pas fermer la porte. Il y a plein de trucs que je peux ramasser et je ne peux pas les ramasser parce que j'ai pas de place. Bon, obligatoirement que je revienne. On va continuer à avancer parce qu'il faut bien qu'on avance, mais il va falloir qu'on revienne. Et par là. Ouh, c'est de là d'où je viens, c'est une blague, hein? Très bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un trou qui s'est ouvert. D'où je brûle. Ah mais stop avec le feu là. C'est bon, c'est éteint. C'est beau ?
Oh. Pompiste simulateur. Attendez, on est bloqué là. Mais c'est la sortie. Ah bah attendez. On va aller poser des trucs dans le... Eh mais je me suis bien cramée en fait. Hop. Petit kit de soins, j'en ai plein. Hop, on a un petit stockage. On va pouvoir stocker tout ça là-dedans. On va stocker une pile. On va stocker les posters. On est sorti, c'est par là. Ah mais il me manque toujours le code de la... Ah bon, on veut encore un extincteur. Il me manque toujours le code de la chambre du capitaine, moi. Ce qui s'avère être relativement embêtant, non? Ça veut dire que j'ai raté quelque chose? Il y a quelque chose aussi ici. Vraiment. Je brûle. Ouais bah attendez, du coup moi je retournerai bien dans le quartier résidentiel parce que j'ai oublié quelque chose. Y'a plus de piles. Monte. Monte. C'est pas grave, on en a plein de piles. Hop, j'ai plus à changer. Très chiant. Non, voilà, il y a un moment. Quoi, il y a déjà plus d'énergie ce truc? Comme ça. À moins que ce soit le numéro des cabines. Vous voyez que c'est possible que ce soit le numéro des cabines? J'avais pas éteint le feu ici. J'ai encore un inventaire qui est plein. Ah ouais, mais ces trucs, ça prend max de place. Attendez, cet extincteur, par contre, il est vide. Il faut carrément le jeter. Ça fera déjà un peu plus de place. Du coup, pourquoi je n'ai pas le code? Je devrais avoir le code.
Placement et installation alien. Attendez, c'est très gênant d'avoir ce truc derrière. Laboratoire de recherche sur les maladies, profondeur 800 mètres, emplacement. Caverne contenant de nombreux fossiles au sud-ouest de la plateforme armée. Fonction étude de spécimens vivants. Objectif synthétisation, un antidote pour la bactérie hautement contagieuse nommée Kara. Centrale thermique, profondeur 1200 mètres, emplacement à l'intérieur d'une formation de rochers naturels dans une zone à forte activité volcanique. Fonctionnement génère de l'énergie pour toutes les autres installations. Sanctuaire A, données corrompues. Sanctuaire B, données corrompues. Laboratoire secondaire, données corrompues. Installation principale d'isolation, données corrompues. En cas d'épidémie, les procédures de quarantaine seront automatiquement mises en place à l'effet immédiat sur la plateforme armée. La plateforme armée attaquera automatiquement tous les appareils entrant et sortant pour empêcher la contamination d'autres planètes. Ça veut dire que... ça veut dire que c'est la merde. Voilà. attendez, j'ai encore des données de... Non, ça c'est pour la tablette ionique, le cube... Enfin, la tablette, le cube. Document public, je vais pas avoir ça. J'ai pas le code de la cabine du capitaine dans les données publiques. Pourquoi j'ai pas le code de la... Ordre de mission auxiliaire Aurora. Recherche et sauvetage. Cible équipe du vaisseau de l'Empire mongol Degassi. Dernière position connue aux alentours de la planète sur laquelle on est. Le vaisseau mongol, machin chose, a disparu il y a environ une dizaine d'années, transportant à son bord un chef mongol de haut rang. L'assurance de la corporation a monnayé la montrée de l'investisseur... Oh, merde! Vos ordres sont de lui fournir tous les moyens appropriés pour localiser. Et le cas échéant, extraire les membres de l'équipe du bidule sans compromettre la mission principale. Confirmer le sort de l'équipage, participer aux efforts diplomatiques avec l'Altera, avec les conseils mongols. Ok. Laura devrait effectuer un appui gravitationnel autour de la planète. Planète océanique de catégorie 3, approximativement 13 mois après son lancement. Ceci vous mènera à portée de la dernière position connue du Degassi. Des véhicules aquatiques et des tout-terrains supplémentaires ont été spécialement inclus dans la soute de l'Aurora pour cette mission. Le manifeste de l'équipage. D'accord, du coup, on avait une autre mission. En plus de venir faire le portail, c'était venir voir ce qui était arrivé au vaisseau qui s'était également crashé ici. Mais ouais, j'ai pas du tout de code. Je n'ai pas le code? Où est le code? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ça se trouve, c'est pas dans le quartier hein, qu'il est. C'est peut-être même pas là qu'il est le code. Coucou Yara, comment ça va? Eh bien écoutez, si un jour on trouve le code
de la cabine du capitaine, on reviendra, mais là j'avoue que... Attendez, il y a encore une combinaison là qu'on pouvait pas scanner pour l'avoir. J'avais pas fait gaffe, mais est-ce qu'on pourrait pas la scanner, elle ?